Oye, citoyen. Je me tais. Bonsoir à tous mes gazelles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'aimerais vous dire trois choses. Premièrement, je tenais à vous remercier parce que vous avez envoyé la dernière vidéo en tendance YouTube, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous m'avez mis en avant d'une certaine manière. Et j'avoue que j'ai bien kiffé, donc je vous fais plein de bisous. Deuxièmement, pour ceux qui n'ont pas vu dans les commentaires, j'ai un nouveau compte Instagram, je vous mets le nom juste ici, c'est MASTUU-8. N'hésitez pas à aller me follow, je mets beaucoup de photos de moi entièrement nu. Ceci est totalement faux, Instagram, calmez-vous. Troisièmement, en plus d'avoir envoyé la dernière vidéo en tendance, j'ai beaucoup aimé lire vos commentaires. C'est-à-dire que pour cette vidéo, je trouvais que les top commentaires étaient vraiment justifiés. C'était pas juste MDR, bitch à de couille, bam, 70 likes et terminé. Non, c'était vraiment des commentaires plus constructifs en lien avec la vidéo. Donc voilà, je vous invite tout simplement à faire de même pour les prochaines vidéos parce que j'ai vraiment kiffé. Bon, du coup, mesdames et messieurs, aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour faire l'épisode 3 du Essayer de ne pas rager. Vous savez que je suis quelqu'un de très calme lorsque je fais ce genre de vidéo. Je vais douiller. Vous savez que c'est des vidéos que j'adore faire, des vidéos que j'adore tourner. N'ayez pas envie, s'il vous plaît. Bref, j'espère que vous êtes chauds, mesdames et messieurs, parce qu'on est parti. Suce-moi, ta-ta, suce-moi, ta, suce-moi, ta-ta. Enfin, tata, je veux dire... Cette fois-ci, on se retrouve sur 4 Mario, donc je pense que vous connaissez, c'est l'équivalent de ne faire Mario, mais c'est encore un petit peu plus dur. Autant vous dire que je vais vraiment kiffer, là. Hein. T'as rien que la musique, elle me met de bonne humeur, là. Bon, mesdemoiselles, mesdames, mes putes, il est temps d'y aller, c'est parti. Oh, la musique de merde. Suce ma bite, ouais. Suce ma bite, ouais. Suce ma grosse bite, suce ma bite. Oh yeah, suce ma bite. Ok, j'ai eu chaud, mesdames et messieurs. Est-ce que le champignon, vous pensiez... Super l'ambiance, en tout cas ça commence bien. Les gros chiennes de mort, putain. Tranquille, pour l'instant je rage pas, c'est vraiment super simple comme jeu. Non mais je suis con, je retourne au même endroit, putain, c'est pas possible d'être tombé pareil là. Est-ce que je fais bien le mec énervé ou pas? Parce que là on a l'impression que je commence à m'énerver, mais c'est une petite boutade. Hein. D'accord, donc je suis à moins une vie en fait. En fait, ils font un décompte, juste ils te font rager, ils te font bien te rappeler que t'es une grosse sous-merde de mort. Ouais, mais je ne rage pas. Moi, vous savez, c'est pas le genre de jeu qui me fait réagir quand on me tue sur ce truc. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que je suis On continue, mesdames et messieurs, parce qu'on est là avant tout pour le fun. Pour l'instant, bilan du jeu, on s'amuse, quoi. On est là, on s'amuse entre couilles, quoi. Du coup, on fait ça. 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 Les putains! Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe, là? J'ai bugué le jeu. Bon, là, ce qui se passe, c'est que là, j'active... C'est le genre de jeu que j'apprécie, voilà, ils rajoutent un petit peu de difficulté parce qu'ils savent que je suis un god quoi, donc on passe ici, on passe ici, on passe ici, bam bim boum, bam, là on saute pas, bam on arrive ici, je refais le glitch. Mais en même temps, mais une fois sur, c'est what the fuck. Ah mais non, mais je peux leur sauter dessus, c'est vrai. C'est comme avec ma mère ça. Ok, on reste calme, je vous ai dit tout à l'heure, la situation est on the control, et on the dance floor aussi. Je commence à dire de la merde, c'est pas bon signe. Souvent ce qu'on sait pas, c'est que... C'est que c'est des sacrés fils de pute, les auteurs, en tout cas. Hein. Pas de soucis et pas de stress, surtout, parce que vous savez quoi? Bah, y'a point S. Ta da ta ta, tous ensemble. Ta ta da da ta ta. Allez, ta ta da, ta da ta ta. Là, ce qui se passe, c'est que vous savez pas, hein, vous l'ignorez derrière votre écran. Pour le bien de la vidéo, je fais exprès de mourir bêtement pour rager, pour vous divertir. Oh ça... Mais putain, mais je suis une queue ou quoi, là? Moins 20, on ira pas à moins 21, je vous le dis, là, c'est cousu d'avance. Si je fais moins 21, je pars sur 50 pompes. Allez, on continue là, hein. On s'arrête pas, on a plus le temps, on peut plus rigoler, hein. Mais putain, mais c'est incroyable. Mais, je suis con ou quoi? Bon, c'est parti, on part sur un speedrunnage professionnel. Et on reste calme, mesdames et messieurs, je ne veux pas faire appel au maître sensei cette fois-ci, il faut que je m'en sorte par moi-même. Tout le monde, ok, j'ai passé le niveau, hein, ça y est. Super l'accueil, hein, superbe ambiance ici, hein. Par contre, la musique, elle me donne clairement envie de rapper, donc c'est parti, je pars en impro, là. Ok. Yo, c'est Eminem. Tout le monde. Ok. On s'arrête plus. Bah, si, du coup, mais... Moins 43. Mais putain, mais c'est incroyable ce jeu, il me saoule. Ça me tend de ouf, là, ça va péter bientôt. Hein. Et voilà, je l'avais dit. Mais... Il faut que je... Allo, ouais, sole, kore. Mais putain, mais je suis une teub ou quoi, là? C'est incroyable, faut que je mange un Kinder pour me détendre. Y'a pas le placement de produit, je m'en bats les couilles, je vous baisse tous. Mais... non... Mon goût, n'est-ce pas,
pour l'instant, vous noterez que j'arrive plutôt bien à tenir le challenge. Je trouve que je rage pas tant que ça, mais putain. On reste concentré aussi, vous inquiétez pas, on va y arriver. On sait qu'on peut le faire, on est les meilleurs. Tout est possible, tout est réalisable. Sucez mes couilles et elles sont pliables. J'ai envie de passer en dessous, je sais pas pourquoi. Oh, j'ai eu chaud. C'est le vrai, y'a pas de piège, s'il vous plaît, dites-moi que c'est pas lui. Vite! Va plus. Oh, j'ai eu peur. Super facile, le niveau 2, vraiment top, j'ai kiffé. La fleur, je la fais confiance. Super. Super, hein. Moi, je donne la confiance à mes fleurs. Moi, je les jardine. Je les arrose. Et qu'est-ce qui se passe? On me tue avec. Super, hein. Vite. On saute. Oh oui, on saute beaucoup. Mais non, mais quel. En fait, c'est l'histoire d'un sombre fils de pute qui s'appelle Théo. On arrive ici. Et on arrive pas là parce qu'on arrive, on tombe. Franchement, si vous voulez envoyer aussi en tendance, je veux bien faire 100 vidéos comme ça. Pitié. Non, il a mis mon pitié, mon dieu, j'en ai marre. C'est une quelle qui tombe, non, mais je me n'ai plus. Je vais mettre une goupille de grenade dans le cul et l'activer jusqu'au tréfonds de mon intestin, ça veut rien dire. On prend bien le deuxième, on prend bien le troisième. Et t'as. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je le sens pas, on tombe là. Non, bon. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a de l'amusement en moi. Là, c'est un truc de ouf, hein. C'est en train de ressortir, là, je le sens, hein. Ok, bah c'est relativement simple. Oh le fils de. C'est bon, ils m'ont chauffé. Eh, tout bodo, c'est une ceinture. Je m'en bats les couilles, toi, je te pisse de. Superbe ambiance, vraiment top, hein. Lui, c'est sur sa mère, elle suit du saucisson encore. Hein. Franchement, regardez ce qu'on va faire. À chaque fois que je vais mourir, je vais mettre du scotch sur le fond. Une fois qu'on est arrivé là, on active le piège, je passe. Ici, il faut faire quoi? On fait ce qu'on peut pour faire des vues, d'accord? Eh mais ils inventent des ennemis, je sais même pas d'où ça sort quoi, ça commence à me saouler. J'arrive plus à parler, c'est super les vidéos avec vous en tout cas, moi je kiffe un race là. La vérité ça me casse les couilles, quoi, pourquoi je joue à ce jeu là? Non, ta mère la flûte. Mais c'est quoi ça, ça sort? Y'a une pute colorée dans les pieds, c'est un truc de ouf. C'est bon, j'arrête les conneries, je me concentre là, c'est à cause de vous si j'y arrive pas de toute façon. A chaque fois vous me déconcentrez là, laissez-moi me concentrer un peu hein. Stay focus on the dance floor, j'ai dit tout à l'heure hein. Là je suis dans ma position, quand je me mets comme ça c'est que je suis destiné à niquer des mères, hein. Je vous le dis directement. Mais putain, mais c'est. Ah, mais je sais comment il faut faire en fait. Vous voyez là, il y a le chat, ici il y a le petit carré, et là il y a un autre carré rouge avec une croix. Bah, faut que je clique là-dessus pour me battre. J'ai même pas envie de rager, il fait trop chaud en plus. Là, j'ai juste envie de me sucer une queue là. Hein. Et pas n'importe laquelle, hein. On va prendre celle du voisin en plus là. Hein. Hop, on saute. Une fois qu'on arrive là, on s'arrête plus, on continue. Le but c'est de jamais s'arrêter. Le off, on ne touche pas. Ici, bam, on continue. Ding, ding, boum, boum. On est. Ni moumlé, mais ni moumé, plus rien, mère. Moumé, même pas, mère, en route ou en arrière. Moi, je veux bien, mais à un moment, il m'a rien dit, ni au bout, ni au moins. Super musique, on s'ambiance, allez, tout le monde est main en l'air. Allez, encore. Allez, toujours. Je pense que je vais me couper une couille avant la fin de cette vidéo. Ici, non, dites-moi que je suis pas mort, s'il vous plaît. C'est une blague, c'est une boutade. C'était un prank 2012 de Mauno. Non, reviens pas dans la lave, il faut que tu tombes à côté. Si tu tombes dans la lave, tu meurs, tu as compris ou pas? Tu me recommandes tout à l'heure, fait que je passe au-dessus. Putain, et c'est... Oh, allô, Mora. Ah oui, je suis Harry Potter, regardez. Je vais jouer avec la baguette, regardez. Je suis mort, abadacadabra. On ressaute. Vous saviez peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui adore le reblochon. Et justement, juste pour ça, j'aimerais parler un petit peu de tout ceci. Si quelqu'un connaît une recette de reblochon, je suis vraiment très intéressé. J'en ai marre de jouer à ce jeu. Faut que je trouve une excuse. Je suis Harry Potter, regardez! Ah! Ma cicatrice me fait mal! C'est incroyable, les émotions quand je joue à ce jeu, c'est un truc de ouf, quoi. Vraiment, j'ai envie de me mettre un sapin dans le cul, donc c'est pour vous dire. C'est un Imbus 2000. Est-ce que je vous ai déjà montré ma collection de colles? J'ai une colle jaune et une colle bleue, et en fait quand tu les mets dans ton cul, ben... Je vous assure que si je meurs là, je suce mon voisin. Il s'appelle Michel, il va être con... Michel, je viens de sucer! Il est en route, hein, c'est bon, il arrive. Ah, je peux te dire, je vais me rincer les dents avec sa grosse queue là. Ah, pardon. Si je meurs, je m'engage à faire un podcast sur les profs. Tombe ta mère. On s'arrête plus. Oui, c'est la fin. Ok. N'y vous plaît, pas de piège. Y'a un autre. Non.
Non, c'est pas une... Non. Non. Non, 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 ils ont pas intérêt, ils ont pas osé faire ça, ils ont... C'est des putes! C'est-à-dire que là, je suis obligé de recommencer... J'arrête de jouer, j'en ai marre, je rachète ce jeu, ça me pue. Tant pis, je vais faire un podcast sur les profs, je vous préviens. Prochaine vidéo, podcast sur les profs. On va quand même faire l'instant promo, je rappelle qu'à part Instagram, j'ai d'autres réseaux sociaux. Le réseau social où je suis le plus actif, c'est Twitter. Je t'invite directement à aller me suivre, le lien est dans la description, je remets le arroba juste ici, donc tu vas me suivre, putain de temps. Excusez-moi, je me suis emporté, je suis pas énervé, hein, on croirait comme ça, mais je suis très calme. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, peut-être que je ferai un épisode 4, étant donné que je suis un putain de pigeon. Si vous renvoyez la vidéo en tendance en fonction des commentaires et tout, peut-être que. Mais pour le moment, je t'avoue que je vais attendre un petit peu, je crois qu'il faut que je fasse ça une fois par mois. Sinon je vais sauter par la tête et je vais aller sucer Michel. Sur ce, il est temps pour moi d'y aller. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis à deux doigts de craquer, j'ai les larmes aux yeux. Bye les boys, wouh. Hey, si tu ne t'abonnes pas, c'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front. Alors clique juste ici.